myself and a couple of my guru colleagues, Jules Milder and Matt Godfrey, were over here for the Reeve Masters. Been here since Thursday, had a couple of days practice, really enjoyed it. Weather's turned red hot though, and yesterday it was absolutely scorching. We didn't catch a lot at all, so we were expecting it to be a very difficult match, but I've drawn G9 today, which is an MPEG luckily. And I've had a lovely day. I've had 31 kilos of pretty much all bream and for roach on a feeder. There's a chap just up the way, had 38 kilos round the corner a bit. And then another fella had 25 kilos. So I think we've probably been in the best bit of the match. And yep, had a lovely day. Look forward to tomorrow. J'ai exactement 27 brèmes et 2 gardons. Il y a eu un gros match, on va dire dans la tête, avec Pem, l'anglais de chez Gourou, qui était à l'aile. On s'est tenu pendant un moment et en fait, je pensais que c'était vraiment très très serré. Après, peut-être que mes brèmes étaient plus grosses parce que en fait, il y a 8 kilos d'écart, quelque chose comme ça. En termes de la pêche, j'ai fait comme aux entraînements en fait. J'ai mis un gros tas d'amorces au départ avec un peu d'èche et sans trop en mettre parce que j'avais peur en fait de pas prendre des poissons jusqu'à environ 2 heures de pêche. Et j'ai pris la première au bout d'une heure 10. Enfin, je ne l'ai même pas pris, je l'ai touché, je l'ai décroché. Et puis après, bon, j'en ai pris une, deux, trois, quatre. Et j'ai surtout fait une très belle... Entre 2 heures et 4 heures de pêche, j'ai vraiment bien pêché. Parce que la dernière heure, j'ai pris 3 poissons, je crois. Mais l'anglais, en fait, en a pris une ou deux, à ma connaissance. Donc voilà, la distance de pêche, j'ai pêché un tout petit peu plus loin que mon voisin. Parce qu'il avait clippé 55 mètres. Donc j'ai clippé 60 mètres par sécurité. En plus, pour la petite anecdote, il a commencé à me faire peur parce qu'il voulait amorcer aux bombes tout jaunes. Donc voilà, j'ai décidé de pêcher 5 mètres plus loin, même face au vent. Je savais que j'allais être un peu plus précis. Donc voilà. Donc forcément, super satisfait avec un très gros score. Et en espérant avoir la chance de regagner mon secteur demain. Même si c'est pas forcément un gros score, ça suffira peut-être. Mi nombre es Pablo Marián, vengo de España. Hemos estado en el primer Master Ribe. En el 2019, no había venido antes a pescar a este escenario, un escenario difícil con especies que no conocemos y bueno, la verdad es que hemos disfrutado de la gente de aquí, hemos hecho muy buenas amistades de amigos franceses y luego toda la semana con Tomás Romera y Miguel Velasco ha sido fantástica. Los entrenamientos nos cuesta siempre a los españoles adaptarnos a la pesca de la brema y del gardón, que allí en España tenemos pocos y bueno, hemos ido sacando como hemos podido diferentes días, diferentes capturas y hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Fin de la première manche donc au Master Reef de Ploermel. Alors moi j'ai tiré le numéro 5 dans le secteur H. Pour être très sincère, ça a été une magnifique pêche comparée aux entraînements d'hier qui ont été une véritable catastrophe. Catastrophe en fait qui peut s'expliquer par le climat parce qu'on est passé de 3 jours de gros vent, ciel très couvert, à un soleil de plomb et pas de vent. Donc là on a eu de la chance aujourd'hui parce que c'est le deuxième jour de soleil et il y a eu en fait une légère brise. Donc sur le secteur il s'est quand même pris quelques poissons malgré tout. Donc c'est l'aile qui gagne avec 10 kg et des castagnettes, donc Baptiste. Moi au 5 en fait j'ai fait 2 avec 9006 je crois, donc il manque pas grand chose en fait pour gagner, mais bon. Malgré tout, Baptiste méritait de gagner parce qu'il a eu le malheur d'avoir des baigneurs à côté de lui qui lui ont complètement éteint son coup à la canne, donc du coup, bravo à lui. Donc au final, ça a été une pêche plutôt sympathique, digne de Ploermel. Je ne sais pas ce qui s'est pris dans les autres secteurs, j'ai juste entendu dire que là-bas, il y a un secteur au feeder qui s'était gagné avec 30 kg, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant il faut remettre ça demain et je pense que ça va brasser un petit peu, donc même avec 2 points, peut-être des chances d'aller chercher un podium. Donc à demain.
Bon ben voilà, le Master Reef se termine. Bon, aujourd'hui c'était un peu mieux qu'hier, donc hier je suis tombé au E3. J'ai misé sur une pêche de brème pour essayer de bien faire. Bon ben malheureusement j'ai eu une touche, une brème, ça m'a permis de me classer 4e. Donc aujourd'hui comme j'ai dit c'était bien mieux. J'ai fait une pêche assez similaire, j'ai misé sur le feeder à une quarantaine de mètres. Et j'ai pris environ 10 brèmes pour 11 900, ça me permet de faire 2. Donc aujourd'hui c'était plutôt sympa. On a vu on va dire le pearmel qu'on connaissait avant, malgré que les poissons sont bien plus gros. Donc voilà, c'était une édition sympa. Maintenant, bah, vivement l'année prochaine. I drew a G1 and I got 11 kilo 820, which bring me a third place in the section. But today was great fishing. Begin at the pole, small roach, and later on the match, the feeder at 42 meters. I caught 9 bream, I guess. Yes, 9 bream. And yeah, it was beautiful fishery today. This is the second time that I have been to Ploermel, and interestingly, it's completely different to when I came 3 years ago. Then there were lots of small fish and you caught on a waggler and a pole. This time, there seems to be a lot more bream. A lot of the fish have grown up and it's been a completely different match. Mainly dominated by the feeder this time, with some wicked fish, some really big bream. Really fit fish that fight like crazy. You have to fish quite strong gear for them. It's really, really exciting fishing. Some sections have been difficult, but also quite exciting because one or two bites makes a big difference. And then the other sections, 18, 20, even 30 kilos of fish, amazing fishing. Just to get the chance to draw one of them, I'll be back next year. Honest with you, I was struggling the whole week with the feeder. The first 2 days I was deciding just to fish on pole, and then my lovely friend Marcus was telling me and teaching me all the week along to get fishes on the feeder, and exactly that kind of fishing was brought me the number once on second day as well, section winner. So special thanks to Marcus, like always, one of my best friends, and brought me actually 2 sector winnings and the total winning of this very nice, lovely Reef Masters. The first time I've been here, I'm really excited, and I love it, and it was a nice week, and thank you for the organization and to Reef, and of course once again to Marcus showing and learning me the feeder fishing, so that brought me the winning.